the love for me. On ne l'appelle pas le beau jeu par hasard. Ces lettres de noblesse ont été écrites par l'artiste Pelé. Le football, ou soccer aux États-Unis, est le sport numéro 1 dans 93 pays. Le plus important, c'est d'offrir aux spectateurs, aux étrangers, à ceux qui seront venus, un joli spectacle et de quoi les recevoir. Sa popularité partout dans le monde est due à sa simplicité. Aucun obstacle financier. Tout ce qu'il faut, c'est un ballon. C'est le seul sport à même de fédérer chaque nation. Une seule langue, celle du ballon. C'est un sport qui rassemble les gens, qui les fait parler. Dans une ruelle, une contre-allée ou sur la plage, on peut jouer n'importe où et avec n'importe qui. Garçon ou fille, pauvre ou riche, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, le football est un sport pris très au sérieux. Le jeu universel par excellence depuis 3000 ans. Et ces légendes ont toutes connu les mêmes débuts. Beckham, Pelé ou Bobby Charlton ont eu des parcours qui ont débuté de façon similaire. C'est bon pour tout le monde. C'est synonyme de bonne santé. Cette passion des gens pour le football. Cristiano Ronaldo, star du Real Madrid et de l'équipe du Portugal, a été façonné par les mêmes origines modestes. Le 5 février 1985, naît un garçon fruit de l'union de Maria Dolores dos Santos Aveiro et de José Diniz Aveiro. Des gens simples, travaillant comme cuisinière et jardinier à San Antonio, Funchal, une petite ville située sur l'île de Madère au Portugal, surplombant l'océan. San Antonio signifie Saint-Antoine, et ce jour-là correspond à l'arrivée d'un saint dans le monde du football. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Son prénom lui vient de l'amour de son père pour l'ex-président Ronald Reagan. Mais ses débuts dans la vie n'ont rien d'un film hollywoodien. Une belle ascension sociale après une enfance marquée par la pauvreté. Sa famille, catholique comme l'immense majorité, survit avec peine. Nourriture et toit sont des luxes, et au moment de Noël, il n'y a que rarement un cadeau. Leur maison est une cabane en tôle qui prend l'eau lorsque s'abattent les puissants orages qui frappent l'été la côte portugaise. De nombreux joueurs sont issus de la misère et ont eu une éducation difficile. C'est une motivation pour eux. Ça les pousse à réussir. Cristiano est le benjamin. Il a un frère aîné, Hugo, et deux sœurs, Elma et Liliana Katia. L'espace est compté. Ronaldo, son frère et ses deux sœurs partagent la même chambre. Ils couchent sur le sol en terre battue, des vêtements en boule servant d'oreiller. Aux problèmes financiers que connaissent la famille s'ajoute la difficulté à se faire des amis de son âge. C'est un garçon solitaire dont le seul compagnon est un ballon usé trouvé dans une ruelle. Avec, il se rend là où il y a un grand mur et contre le béton et sur le gravier, il s'entraîne. Il passe toutes ses journées avec son compagnon. Il en oublie de manger, voire d'aller à l'école. Qu'est-ce qui vous a guidé vers le football? Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer? Eh bien, voilà une question difficile. Bonne question. Je ne sais pas pourquoi je suis footballeur. Peut-être parce que c'est le sport que je pratique depuis tout petit. C'est peut-être de là que me vient ma motivation. C'est peut-être aussi grâce à mes frères, à mon père, à mes cousins, qui jouaient tous au football. Là où on vivait, on était très heureux. On avait plein d'énergie et tout allait bien pour nous.
l'enfance de Cristiano ressemble à celle d'un autre grand, Edinson Arantes do Nascimento, que vous connaissez mieux sous le nom de Pelé. Avant de remporter 3 fois la Coupe du Monde et de marquer plus de 1300 buts, Pelé débute sa carrière avec une chaussette bourrée de chiffons. Son père, footballeur amateur, apprend tout à Pelé. Son dévouement exemplaire le fait éclore. Pelé devient le joueur le plus jeune à gagner la Coupe du Monde à 17 ans. Il marque 6 buts pour le Brésil. Amour. Pour l'amour. Et pour Ronaldo, à l'instar de Pelé, tout ce qui n'était pas le football était sans intérêt. Le football était sa vie. Il a façonné ses talents en jouant contre tout le monde, jeune ou vieux. Sans travail, le talent ne rime à rien. Les deux vont ensemble. Travailler sans talent, c'est difficile. Néanmoins, ça peut fonctionner. Le talent sans travail, aucune chance. À 8 ans, Ronaldo intègre l'équipe locale d'Andorina. Il est alors aux antipodes de l'athlète qui règne aujourd'hui sur les terrains. Il a beau être plus fin et moins musclé que les autres, son talent est immédiatement repéré. Ronaldo a commencé vraiment très jeune. Comme nous tous, les footballeurs, c'est quand on atteint l'âge de 10, 11 ou 12 ans que les grands clubs se mettent à vous jauger. Pour décider ou non de vous recruter. Les dons de Ronaldo commencent à faire parler d'eux. Les petits clubs espagnols, portugais ou anglais cherchent la future vedette. La compétition est rude. Savoir marquer un but de temps à autre ne suffit pas pour sortir du lot. Chez un joueur, on regarde d'abord ses capacités innées. Le plus important, c'est ce qu'il va être en mesure de nous apporter. Et a-t-il l'amour du jeu ? Il aime s'entraîner ? Être encadré ? Est-ce un passionné ? Est-il enthousiaste ? Mais avant toute chose, ses capacités innées. Ce ne sera pas un obstacle pour le jeune Ronaldo. À 12 ans, il s'en va à 1000 km de sa petite ville natale pour Lisbonne, la capitale, car le Sporting lui a fait une offre. Il a eu l'opportunité de partir jouer dans une grande ville, au Portugal, ce qui lui a permis, accompagné par sa famille, de passer à l'échelon supérieur. On a besoin de ce soutien-là pour avancer. Il continue à impressionner, mais pour Ronaldo, la transition n'est pas simple. Difficile d'imaginer ce joueur avoir du mal à gérer la popularité. Mais avant les voitures et les fringues de luxe, les petites amies top modèles, Ronaldo est solitaire. Loin de chez lui, dans une drôle de ville, il se débat à l'école. Il ne savoure que le terrain. Moqué par ses camarades à cause de son accent madérien et condamné à rester seul, il perd confiance en l'école. À 14 ans, il perd le contrôle. Ronaldo jette une chaise sur un professeur et est expulsé. Ce n'est pas la fin du monde aux yeux de sa mère. Sa plus grande alliée prend fait et cause pour son plus jeune fils. Elle soutient sa carrière de footballeur en herbe avec enthousiasme. Et avec cet appui familial, Ronaldo reprend son ascension météorique vers les hautes sphères du beau jeu. La clé, c'est l'engagement et le travail. Quel que soit l'âge, il faut améliorer son physique. En permanence, il faut trouver des joueurs pour l'équipe 1. Chaque année, on doit être certain de leur qualité. Mais l'année suivante, Ronaldo est face à un nouveau coup dur. On lui diagnostique un problème de tachycardie. L'ablation chirurgicale, une option nouvelle quand la maladie est peu invasive, entraîne aussi des cautérisations sur le côté du cœur. On va procéder à l'ablation atriale gauche, un petit appendice où se forme un caillot qui peut se propager dans le corps. Heureusement pour nous, sa mère a autorisé l'opération. Et la suite appartient à l'histoire. La santé recouvrée, le jeune phénomène reçoit un coup de pouce du destin le 12 août 2003. À 17 ans, déjà repéré par les chasseurs de talents, Ronaldo et son équipe du Sporting affrontent le géant Manchester United. Old Trafford est l'exact opposé des terrains secs de Madère. Et les Red Devils sont des modèles. Sans complexe face au légendaire coach Sir Alex Ferguson, il livre un match éblouissant. Le Sporting gagne 3-1
et Ronaldo est le nom qui revient sur toutes les lèvres. Son match contre Manchester United a été un tremplin qui a fait exploser sa carrière. Ferguson a décelé dans ce joueur des qualités pouvant être améliorées et devenir immenses. Et il avait raison. Ce ne sont pas ses assistants qui lui soufflent l'idée de l'engager, mais ses joueurs. Sur le chemin du retour, ses futurs équipiers convainquent Ferguson que Ronaldo doit jouer avec eux. Mais d'autres clubs s'intéressent à l'adolescent surdoué. Son arrivée à Manchester United a été retardée par le manager général d'Arsenal, Arsène Wenger. Ronaldo a failli signer chez les Gunners. Il a même reçu un maillot frappé du numéro 9. Mais c'est Ferguson qui réussit à épingler la star portugaise. Il est arrivé chez nous à 17 ans et il s'est encore amélioré. Ça nous rend fiers. Pas du genre à mâcher ses mots, Ferguson est un visionnaire qui a mené l'une des meilleures équipes au monde pendant deux décennies. Il a glané 38 trophées, parmi lesquels 13 titres de Premier League. L'entraînement, l'intensité, l'exigence, le niveau de concentration, tout ça se manifeste le samedi. Il a eu une carrière fantastique, qui fait rêver la plupart des managers, qui voudra avoir la même réussite. Je lui dois beaucoup, car c'est lui qui a décidé ma venue à Manchester United. Puis, il a fait de moi le joueur qui a gagné 19 trophées. À son arrivée, on impose à Ronaldo un maillot particulier. Il va porter un numéro hautement symbolique, le 7. Aujourd'hui, ce chiffre, on peut dire qu'il l'a immortalisé. Le joueur a besoin d'une figure paternelle qui le prendra sous son aile. Il doit pouvoir lui faire confiance. Et ça a été le cas. Sir Alex Ferguson, sa structure et les autres joueurs l'ont aidé à s'installer. Et il s'est consacré au jeu. Ronaldo signe avec Manchester United pour une somme record de 15 millions d'euros. Leur manager, qui est là depuis 20 ans, a remporté à peu près tous les trophées possibles. Son succès est énorme. Je crois que c'est ma façon de jouer. Depuis tout jeune à Madère, en tant que joueur, je privilégie le 1 contre 1 avec mes adversaires. C'est dans ma nature, je l'ai toujours fait. Sa vitesse avec le ballon, son toucher de balle, sa prise de décision sur le terrain, sa capacité à contrer et à le faire rapidement. Il fait tout ça si vite. Je crois que c'est ça qui m'a convaincu. Ronaldo n'est pas la première star à venir porter le numéro 7 à Manchester. David Beckham débute sa carrière avec les Red Devils à seulement 17 ans. Rapidement, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il gagne 6 titres de Premier League et 2 FA Cup à Old Trafford. Il souriait en permanence et présentait toujours bien. Je l'ai connu à ses débuts quand il avait 12 ans. Il désirait devenir un grand footballeur et il s'entraînait très sérieusement. Il travaillait dur et en plus, le soir, il remettait ça avec les jeunes de l'école. Comme Ronaldo, Beckham a été considéré comme un héros puis comme un traître. En 1998, dans le match de la Coupe du Monde contre l'Argentine, Beckham frappe le milieu de terrain Diego Simeone au mollet et reçoit un carton rouge. Et l'Angleterre est éliminée. Beckham est accusé d'être fautif et il reçoit des menaces de mort. Les médias le diabolisent, des fans furieux brûlent des photos de lui devant un pub. C'est pas bien venant des supporters. On peut s'attendre à ça de vos adversaires. Mais c'est mieux quand vos fans sont derrière vous plutôt que contre vous. Les fans, c'est très utile quand on vit une période difficile. C'est quand la période est difficile qu'on a besoin des supporters. Mais en 2002, Beckham aide l'Angleterre à se qualifier pour la Coupe du Monde grâce à un coup franc de légende dans les arrêts de jeu. Incroyable. David Beckham a marqué. Un triomphe qui aide Beckham à retrouver la confiance des fans anglais. L'exemple même d'une prestation internationale qui va coller à une carrière. Beckham est une sorte de lien entre les joueurs.
il y a des chances qu'il arrive à persuader Ronaldo de venir jouer dans la Ligue US, la MLS. S'il y parvient, ce sera un coup énorme pour la Ligue US. Ça me réjouit de faire partie de la MLS et de continuer à en faire partie. La carrière de Ronaldo à United est un succès. Dès la première saison, Ronaldo ouvre le score lors de la finale de la FA Cup remportée contre Millwall. Le premier footballeur portugais à jouer pour Manchester s'appelle Cristiano Ronaldo et il devient joueur de l'année. Ronaldo est reconnu comme un grand buteur. Il est le meilleur attaquant et est surnommé le sultan du passement de jambes. Ce virtuose des deux pieds gagne tous ses duels en un contre un comme personne d'autre. Tout le football a changé, en profondeur. Sur le plan de la diététique, vous devez manger certaines choses. On surveille votre rythme cardiaque, vos pulsations, tout. Sa taille, sa force et sa détente, l'avantage dans les défis aériens. Et il marque le plus souvent de la tête. Il promeut le jeu mieux que quiconque. Il établit des records en matière de statistiques. Un phénomène. Ronaldo, un joueur formidable. Un des meilleurs au monde. Et sans doute le meilleur buteur. Il s'y connaît pour marquer un but. Du pied gauche, du pied droit, de la tête. Il sait passer, faire des passements de jambes. En 2005, au fait de sa gloire au sein de Manchester United, Ronaldo reçoit un coup terrible. Son père meurt. José est emporté par une maladie du foie due à de nombreuses années passées à boire. Il n'avait que 52 ans. Ronaldo, âgé alors de seulement 20 ans, est durement touché. Mais comme dans chaque moment difficile, Maria, sa maman, est là pour lui. Elle l'a toujours aimé et soutenu. Il répète que sans elle, il ne serait jamais arrivé où il en est. La disparition de son père est une blessure qui ne se referme pas. Il dédie chaque nouveau succès à son père. Il n'oublie pas l'importance qu'a eu son père à ses débuts dans le jeu. Certains le voient comme un paon, vaniteux et voyant, seulement concerné par son image. Il en fait des tonnes, son arrogance et son assurance ont le don d'énerver. Il s'est calmé après être sorti avec des top modèles et d'autres sportifs qui ont le même train de vie. Ainsi, il a beaucoup appris. Il sait maintenant être chic sans en faire trop. Ce n'était pas son fort, il aime le bling-bling, avoir le teint bien bronzé. Mais il a beaucoup appris. Il a mûri énormément, ça se voit dans le choix de ses vêtements. C'est un grand pro. Ce qu'il fait pendant son temps libre ne regarde que lui. À mon avis, il est clair qu'il donne une bonne image en tant que footballeur. Certains fans trouve qu'il plonge même sans contact et regrette qu'un joueur aussi musclé finisse souvent sur le gazon. Le penchant de Ronaldo a influencé les arbitres et mis en évidence lors du match de 2006 contre l'Angleterre. Wayne Rooney, un coéquipier de Manchester, est sanctionné pour avoir percuté un défenseur portugais. Immédiatement, Ronaldo va discuter avec l'arbitre et Rooney le pousse. Rooney écope d'un carton rouge. Et alors qu'il quitte le terrain, Ronaldo fait un clin d'œil à son équipe. Le Portugal gagne le quart de finale, mais Ronaldo, lui, a perdu des fans. Quelqu'un pourrait vous tacler méchamment et vous casser la jambe. Rooney, par exemple, méfiez-vous. Vous croyez ? Il aurait une raison de se venger, n'est-ce pas ? Des rumeurs de conflits se répandent. La tension entre Ronaldo et Rooney depuis le clin d'œil honteux est devenue trop grande pour retomber. Ronaldo est condamné à expier cette faute. CR7, comme on le surnomme, est devenu le pire traître du football. Il faut apprendre qu'une grande partie de sa vie n'est plus privée. Et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. À la moindre erreur, on ne vous loupera pas. Bientôt, on raconte que Ronaldo souhaite un transfert, si possible au Real Madrid. S'il a pu aller là-bas, c'est grâce à son passage à Manchester United.
Sa progression au sein de ce club a rendu possible son accession à l'équipe du Real Madrid, qui aujourd'hui est énorme. C'est le club qu'il visait. Sa famille et sa mère aussi voulaient qu'il aille dans ce club. Et il n'était pas en situation de rester. On raconte des violences dans les vestiaires. L'alchimie du club est en péril. Personne ne retiendrait Ronaldo. Il aurait pu mettre ça sur le ressentiment des fans et sortir l'excuse en or. L'incident de la Coupe du Monde ne pouvait être effacé. Mais Ronaldo n'est pas un homme à choisir la facilité. Certaines choses dans la vie n'ont pas à être commentées. Celle-là ne recevra pas de commentaires de ma part, pour des raisons évidentes. J'ai toujours partout respecté mes coachs et je ne garde que le positif. Ça m'apprend de nouvelles choses. Parler de ceux qui disent du mal de moi, ce n'est pas mon genre. On dit du mal de moi, surtout au Portugal. Mais moi, je ne crache pas dans la soupe. Vous me comprenez ? Je ne garde que le positif. La première chose que veulent faire les joueurs, c'est aller remercier les fans. Mais dans certains clubs, s'il y a des problèmes, les fans peuvent vite vous tourner le dos. C'est pour ça qu'il joue au Real Madrid aujourd'hui. C'est dû à son arrogance, à son professionnalisme. Ronaldo dîne avec Sir Alex Ferguson au Portugal pour discuter de la situation. Sir Alex, qui a l'habitude de gérer les superstars du foot, convainc le jeune buteur de rester. Il signe pour 5 ans de plus. Ronaldo devient le joueur le mieux payé de l'histoire du club. L'importance de l'argent investi dans le jeu a fait grimper leur statut. Et je parle aussi du business qui a pour but d'exploiter leur image ou des contrats de partenariat. Après la signature de son contrat de 5 ans, Ronaldo va mener les Red Devils à 3 titres consécutifs de Premier League. Et ils remporteront également la Coupe de l'UEFA. J'essaie de faire de mon mieux, saison après saison. J'essaie de devenir un meilleur joueur et une meilleure personne. J'essaie d'apprendre en permanence. Dès que j'ai une chance de marquer, je marque. Une des fiertés de la carrière légendaire de Ferguson est d'avoir gardé longtemps Ronaldo avec le maillot de Manchester. Ferguson est connu pour savoir dénicher le talent, mais pas pour son sang-froid. La tension entre Ferguson et Beckham a explosé en 2003 après une défaite contre Arsenal. Ferguson a tapé dans une chaussure qui a blessé Beckham. Résultat, des points de suture au-dessus de l'œil. David n'a pas eu de point de suture. Aucun. C'était juste une égratignure. Qu'un médecin a soigné. Il n'y a pas de problème. C'est oublié. Comme Beckham, Ronaldo verra sa requête acceptée et rejoindra le Real Madrid en 2009. Un transfert record de plus de 90 millions d'euros. Nous avons un joueur au top. C'est quelqu'un qui a quitté le Portugal avec un immense talent. Un talent qui a été peaufiné lors du passage à Manchester. Et aujourd'hui, en tant que troisième coach, je pense qu'il a atteint son niveau maximal. C'est un joueur fabuleux et normalement, il devrait faire la différence. Puis Gareth Bale rejoint le Real Madrid. Il jouait à Tottenham dans la Barclays Premier League. Gareth est un joueur fantastique. Quand il a commencé, il a eu des blessures, quelques petits problèmes et n'a pas pu faire la pré-saison. Il y a eu tous ces problèmes et beaucoup de pression. Ça a été dur. Mais aujourd'hui, c'est positif. Il aide beaucoup. Il s'est bien intégré dans l'équipe et les gens l'aiment. Que ce soit les supporters ou les autres joueurs. À mon avis, c'est un grand footballeur. J'espère qu'il nous aidera à gagner des trophées. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur au monde et un atout formidable. J'ai voulu venir jouer ici parce que c'est une équipe de footballeurs de classe internationale. Et il n'y a pas meilleur que Cristiano. Ce sera un honneur. Au début, on se demande si les deux vont pouvoir fonctionner ensemble. Ce ne sera pas difficile pour lui, mais quand même. En parlant avec lui, on voit qu'il est impatient de jouer, d'aider l'équipe, de s'améliorer. Le mieux est de le laisser tranquille. Ne lui mettez pas la pression, laissez-le tranquille. Je suis sûr à 100% qu'il sera utile au club. Il nous aidera beaucoup, parce que c'est un joueur, un homme fantastique. Un homme qui aime apprendre. C'est ça,
le plus important. Après la première saison, il est clair que la combinaison Ronaldo-Bale fait des ravages dans les défenses adverses. Cristiano Ronaldo devient vite un phénomène planétaire. C'est l'athlète le plus populaire sur Internet. Des millions de gens l'idolâtrent ou le haïssent. C'est la figure du sport la plus emblématique. Le fait que Ronaldo soit issu d'un milieu très pauvre a un effet sur sa carrière et sur ses choix d'homme d'affaires. Il a été obligé de donner le maximum pour arriver au sommet, de saisir toutes les opportunités. Mais on peut dire la même chose de ceux qui viennent d'un milieu plus favorisé. Il a utilisé de façon très intelligente, disons, les dons qu'il a développés jeune pour les tourner à son avantage aujourd'hui. Si la plupart des dons de Ronaldo ont été forgés grâce à sa détermination et son travail acharné, on peut se demander s'il n'a pas reçu un coup de main du destin. Né le 5 février 1985 sous le soleil du Verseau et la lune du Lion, les étoiles balisent son chemin en lui insufflant un besoin impérieux de grandeur. Les Verseaux sont de brillants communicants, à l'aise avec les médias. Ils sont donc un don du ciel pour les entreprises qui veulent vendre leurs biens. Et Ronaldo a signé de nombreux contrats pour toute une gamme de produits. Les Verseaux sont souvent charmants, mais parfois extravagants. L'influence de Mars semble avoir poussé Ronaldo à devenir un homme d'action, un leader né très indépendant. Même le ciel semble avoir agi pour lui conférer tous les traits d'un athlète au-dessus du lot. Ronaldo, c'est le Verseau typique. Il adore les feux de la célébrité. Ronaldo recherchera toujours le succès, il voudra toujours être le numéro 1, le meilleur. Et si l'argent suit, tant mieux. C'est tout ou rien, question argent. Financièrement, les Verseaux, soit c'est le pactole, soit c'est rien du tout. Et dans le cas de Ronaldo, c'est carton plein. De la famille, il n'est pas le seul connu. Sa sœur aînée, Katia Veiro, est une chanteuse qui a signé un contrat en 2013. C'est une très bonne expérience. J'apprends beaucoup de choses. Pour un artiste, c'est un rêve qui devient réalité. Parce que j'ai la chance d'avoir un producteur qui est très compétent. Et ça, pour moi, c'est une raison supplémentaire de travailler dur et de donner le maximum. Pouvoir apprendre tous les jours est le rêve de tout artiste. Je vais faire de mon mieux et continuer sur ce chemin. Bien sûr, Ronaldo a toujours été son plus grand fan. Elle chantait dans la maison quand ils étaient petits. Qu'elle ait ou non du succès, elle peut compter sur son frère pour réaliser son rêve. Le nombre de ses fans a grandi en même temps que celui de ses détracteurs. Ronaldo est une cible de choix. Les tabloïds et le web traquent ses faits et gestes. Il aime étaler. Maillot de bain serré, etc. Quand on est bien foutu, on peut frimer. Et il ne s'en prive pas. Les stars savent que célébrité rime avec fin de l'intimité. Si les paparazzis sont toujours un problème, quand on s'appelle Ronaldo, avoir un moment tranquille relève de l'utopie. Sa maison est cernée par les photographes et caméramens qui aiment le provoquer. Ronaldo a eu maille à partir avec les paparazzis. Difficile de le blâmer, vu comme il le harcèle. Avec les Beckham, c'est un partenariat. Il y a un Ronaldo et deux Beckham. Et ils occupent la scène déjà depuis de nombreuses années. Ronaldo fait lui aussi beaucoup d'efforts. Mais il est issu d'une culture, d'un mode de vie très différent. Par chance, il a de quoi s'offrir, de quoi distancer les paparazzis. Il possède des voitures parmi les plus chères au monde. Décoiffé par sa Bugatti Veyron ou bercé par sa Rolls-Royce Phantom, ce sont des plaisirs qui lui ont coûté plus de 4 millions. Cristiano Ronaldo est l'un des sportifs les mieux payés. Il a donc l'une des plus belles collections de voitures.
Il possède une Bugatti Veyron, des Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley. Tout ce que vous pouvez imaginer, Ronaldo le possède. Le train de vie est somptueux. De l'argent, des voitures, des maisons, une présence dans les médias. Difficile, la vie de star. C'est pour ça qu'on voit des célébrités sombrer dans de nombreux domaines de leur vie. Alors qu'elles n'ont même pas 30 ans. Il aime être vu en cabriolet. Il enlève la capote pour que les gens le voient au volant. C'est son caractère. Mais il n'achète pas des voitures que pour lui. Il avait promis à 5 entraîneurs du Real Madrid que s'il gagnait le Ballon d'Or, il leur achèterait à chacun le véhicule de leur choix. En 2013, Ronaldo remporte le trophée et, fidèle à sa promesse, les 5 heureux élus reçoivent peu après leur nouvelle voiture. Je n'imaginais pas meilleure soirée, même dans mes plus beaux rêves. Je suis très très fier de mon travail, de ce que j'ai accompli pendant cette année. Ça va me motiver pour travailler encore plus et m'impliquer davantage à l'avenir. J'espère revenir l'an prochain et le gagner encore. Ronaldo fait la une, sur ou en dehors des terrains. Il a récemment annoncé qu'il avait un fils. L'identité de la mère n'a jamais été révélée. Le garçon, Cristiano Ronaldo Jr., assiste à tous les matchs avec sa mère. Ronaldo déclare vouloir l'élever avec des valeurs religieuses et ne pas trop le gâter malgré toute sa fortune. Il se targue d'être un père aimant et attentionné. Ronaldo, malgré sa richesse et son succès hors normes, n'oublie ni d'où il vient, ni les épreuves qu'il a dû surmonter. Les ruelles poussiéreuses sont toujours gravées dans son cœur. C'est très important pour les enfants d'avoir des modèles. Pas des exemples, des modèles. Des gens qui aiment leur sport plus que tout. Et je pense que les meilleurs aiment tous vraiment leur sport. Ils se donnent du mal à l'entraînement, pendant des heures et des heures, pour s'améliorer. C'est presque une obsession. Ils sont tous passionnés par leur sport. C'est ça l'important. Les jours où Ronaldo ne travaille pas, vous ne le trouverez pas dans un bar. Il aime conseiller de jeunes joueurs au Portugal. Bonjour à tous. Vous faites des passes, mais vous ne tirez pas. À la moindre occasion, il faut tirer. Vous êtes confinés dans le même espace. Décalez-vous, essayez d'être rapide, de faire des feintes et aussi de changer de direction. Essayez de toujours bien contrôler le ballon et de surprendre. Bien. Cristiano Ronaldo est critiqué pour ses dépenses et son mode de vie. Pourtant, sa gentillesse, son soutien et sa générosité ont sauvé de nombreuses vies et redonné espoir à ceux qui en avaient besoin. En décembre 2004, le numéro 7 de Ronaldo est synonyme d'espoir. Un séisme frappant la côte indonésienne provoque l'un des pires tsunamis de l'histoire. Un garçon de 6 ans, Martounis, est emporté par les gigantesques vagues. Martounis échoue dans une mangrove. Il doit sa survie à l'eau de pluie dans les flaques et à des paquets de nouilles qui flottaient. Il reste seul 19 jours avant d'être sauvé et de retrouver son père et son grand-père. On diffuse des images de Martounis portant un maillot de foot déchiré et taché de sang, frappé du numéro 7. L'histoire de Martounis et de son maillot fait le tour du monde. Le garçon a perdu sa mère et sa sœur à cause du tsunami. Ému et bouleversé, Ronaldo rend visite à Martounis en Indonésie. Il finance les études du garçon et soutient des projets de reconstruction. Nous sommes des exemples pour les gens. Nous devons toujours apporter des solutions qui pourront suivre.
des sortes de modèles. Je trouve ça formidable et ça me rend très fier d'être un exemple pour le monde et les jeunes. Ronaldo finance également la reforestation des mangroves, grâce auquel Martounis a pu survivre après le passage de ce terrible fléau. Ceux qui critiquent la star ignorent peut-être qu'il a un grand cœur. Quand Ronaldo apprend que sa fan numéro 1 est atteinte d'un cancer, son monde s'écroule. On diagnostique à sa mère un cancer du sein. Elle doit endurer une lourde radiothérapie pour recouvrer la santé. Ronaldo, qui l'a vu souffrir, fait un don de 120 000 euros à l'hôpital qui a sauvé la vie de sa mère. Il continue d'aider la lutte contre le cancer et il a financé une structure dans un hôpital sur son île natale de Madère. Ronaldo a reçu une lettre de la famille d'Eric Cruz Ortiz, âgé de 10 ans. Ce jeune fan du Real Madrid avait une anomalie du cerveau nécessitant une opération. Les parents ont demandé à Ronaldo un maillot ou des chaussures qu'ils vendront pour avoir de l'argent. Ronaldo a fait un petit peu plus. Il a payé les 75 000 euros de l'opération. Il est une source d'inspiration. Chez lui, au Portugal. Tout le pays l'adore. Pourtant, les gens ignorent son côté philanthropique. Il envoie beaucoup d'argent dans son pays natal. Il s'implique énormément pour la réhabilitation des bidonvilles qui existent au Portugal. Il aide beaucoup, mais les gens l'ignorent. Il a beau être riche et célèbre, nul ne peut dire que Ronaldo n'est pas un homme du peuple. Durant le match amical contre Chelsea, que le Real remporta 3-1 à Miami, un fan court rejoindre Ronaldo pour le prendre dans ses bras. Je me rappelle l'avoir enlacé et lui avoir répété : merci, tu as tant fait pour moi. C'est grâce à ton exemple que j'ai pu m'en sortir. Je te suis depuis 2005 et 2006, avant ton arrivée à Madrid. J'aurais voulu lui montrer le maillot pour lui le prouver. Je me fiche de sa célébrité. Je suis fan de lui depuis qu'il est adolescent. Je savais qu'il avait un gros potentiel. Je lui ai dit : je suis fan de toi. Tu m'as aidé à tenir le coup. Comme toi, je n'ai eu que ma mère. Je n'ai pas eu de père. Je sais ce que ça fait. Ça l'a touché. Quand je lui ai dit dans l'oreille, si j'avais pu choisir un père qui m'aurait aidé dans la vie, parmi tous les hommes, je t'aurais choisi. Pour toutes ses actions, sur et en dehors du terrain. Ronaldo a gentiment parlé avec le fan et l'a raccompagné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ronaldo a demandé au juge de Floride que les poursuites soient abandonnées. J'ai dit à Ronaldo, je te suis depuis longtemps, s'il te plaît, ne laisse pas les policiers m'arrêter. Il a répondu, je te protégerai. Dans sa lettre, Ronaldo écrit un bel avenir lui est promis, qu'il ne soit pas gâché par une erreur de jugement. Le lendemain, les charges sont abandonnées. Ronaldo est un athlète qui avoue tirer énormément de fierté de son apparence. Et il sait que la marque y est pour beaucoup. Il a ouvert une boutique, CR7, sur son île natale de Madère. Et une autre à Lisbonne en 2009. Ronaldo a sa propre ligne de sous-vêtements masculins sous la marque CR7. Du pain béni pour ses détracteurs. CR7 est la marque de Cristiano Ronaldo et elle est significative. Celle de Beckham est plus importante, mais Beckham est le footballeur le plus connu au monde. La mode n'est pas un don que Ronaldo a reçu à la naissance. Par exemple, au début, il se montrait avec beaucoup trop de gel dans les cheveux. Il en usait et abusait. Il aime les couleurs vives, c'est ainsi que Ronaldo conçoit la mode. Extérieurement et pour ce qui est caché, comme les sous-vêtements et les chaussettes. Il n'y a pas photo. Question look, Beckham est devant. Même si beaucoup de gens pensent le contraire. Mais peu lui importe. Les profits font un bond en même temps que les ventes explosent. Il faut se retrouver dans une situation où on est un modèle pour les jeunes. Et tant qu'elles vous voient ainsi, les entreprises continueront de vous embaucher pour faire de la publicité de leurs produits. Bien sûr,
ces sportifs peuvent même développer leur propre marque. Et les gens achèteront leurs produits. L'importance de l'argent investi dans le jeu a fait grimper leur statut. Et je parle aussi du business qui a pour but d'exploiter leur image ou des contrats de partenariat. Tout ça fait augmenter leurs revenus. Suivant les traces d'un ex-joueur de Manchester United, Cristiano est en passe de devenir une légende. J'ai toujours aimé la mode. Je soigne mon look, que ce soit sur le terrain ou en dehors, lors d'un dîner en famille. Il a une petite amie très en vue, Irina Shayk. Avec les montants fous que ces sportifs-là engrangent, surtout Ronaldo, il faut bien qu'ils dépensent leur argent. Le top modèle et Cristiano sont ensemble depuis 2010. Une autre icône du football, Lionel Messi a relevé le défi immense d'être au niveau lors de la Coupe du Monde. Messi, du FC Barcelone, est plus petit et n'est pas aussi beau que Cristiano Ronaldo. Je trouve sa façon de jouer, ses buts, vraiment spectaculaire. Beaucoup de jeunes, à cause de leur apparence physique, préférerait être Ronaldo que Messi. Messi est un grand joueur. On ne parle que de lui et de Ronaldo. Messi est un footballeur fantastique, mais c'est un grand joueur dans une bonne équipe. Alors que Ronaldo, lui, est un joueur exceptionnel. Ronaldo semble sorti tout droit d'une usine de titans, alors que Messi est plus ordinaire, mais ce qui plaît à beaucoup. Ils finissent souvent premier ou deuxième lors des prix du joueur de l'année. Et on les compare sans arrêt. Comme Messi a moins de physique, il compte uniquement sur ses capacités de joueur. Et c'est ce qui me fait préférer Messi. Bien sûr, il y a Messi et Ronaldo. Mais ce que moi j'espère voir sortir du lot, c'est quelqu'un comme Gonzalo Higuaín, qui est argentin. Mais pas estimé à sa juste valeur. Le transfert de Ronaldo au Real Madrid n'a fait qu'exacerber la comparaison. Messi a remporté le Ballon d'Or 3 années de suite avant que Ronaldo ne s'en empare en 2013. Bonsoir. Aucun mot ne serait assez fort. Je tiens à remercier tous mes collègues et mes camarades du Real Madrid, l'équipe du Portugal et ma famille qui a fait le déplacement. C'est un prix très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis heureux d'être parmi les 3 finalistes. Pour moi, c'est une récompense. Cristiano a gagné et il le méritait. Messi et Ronaldo sont 2 étoiles au firmament du football. Pourtant, sur le plan international, ils font pâle figure vis-à-vis des anciennes gloires. Pelé a remporté 3 Coupes du Monde. Il est le seul dans ce cas. Pelé est le meilleur joueur, rien ne peut me faire dire le contraire. Je place Pelé devant Ronaldo et Ronaldo devant Beckham. Question jeu. Question look, c'est l'inverse. Beckham, Ronaldo, Pelé. Ça paraît évident. L'autre Ronaldo, Ronaldo Luis Nazario de Lima, a gagné 2 Coupes du Monde et y a inscrit le record de buts marqués.
Diego Maradona, capitaine de l'équipe d'Argentine, l'a mené à la victoire en 1986. Et le légendaire Sir Bobby Charlton a aidé l'Angleterre à gagner le trophée en 1966. Bobby est une des raisons pour lesquelles j'ai occupé mon poste si longtemps. Je suis resté à Manchester United parce qu'il a cru en moi. Il a cru en la direction que Manchester a prise, celle de produire de nouveaux, de jeunes joueurs. Bobby a tenu un rôle important là-dedans, et aujourd'hui, je l'en remercie. Voici la scène internationale où l'élite du football devient légende. Avec plus de 700 millions de téléspectateurs sur toute la planète, c'est dans cet écrin que brillent les stars du beau jeu. Les défaites en qualification mettent la pression avant la Coupe du Monde de 2014 à Ronaldo ainsi qu'à Messi. Je n'ai pas regardé le tirage au sort. Il se trouve que je dormais. Il faut que je sois honnête, ce sera très compliqué. L'Allemagne est un des favoris pour le titre. Et les deux autres, les États-Unis et le Ghana, sont d'excellentes équipes. C'est pour ça que ce sera difficile. Le Portugal a réussi ses matchs de barrage pour la Coupe du Monde. Il pourrait bien devenir l'outsider de la compétition. Je pense que dans ce groupe, la Russie a été plus constante que nous. Ils jouent mieux. Et nous, de notre côté, nous avons concédé trop d'occasions et trop de buts que nous n'aurions pas dû encaisser. Mais c'est le passé. Nous avons joué les barrages et c'est positif. On a gagné les deux matchs en jouant bien. Pour que Messi et Ronaldo accèdent au panthéon du ballon rond, ils devront gagner. Toutes les compétitions sont importantes. Mais celle-ci est spéciale. Parce qu'elle se déroulera au Brésil. Le Brésil est un pays qui compte pour les Portugais. Nous avons une histoire et une culture commune. En plus, on parle la même langue. C'est fantastique. Nous sommes très fiers de participer à ce grand événement. Si le reste de l'équipe est au niveau et qu'il se montre excellent de nouveau, dans ce cas, il décrochera un statut de footballeur de légende. On a la même langue et beaucoup de Portugais y vivent. Tout ça fait que nous sommes très heureux. Nous allons en savourer chaque instant. La Coupe du Monde est la compétition ultime pour les sélections nationales. Si les joueurs ressentent la pression, le pays organisateur a ses propres difficultés. La mission enchante le Brésil, mais son coût est énorme. Une sécurité impressionnante obligatoire pour les joueurs et pour les fans, un stade à construire de plus de 4 millions d'euros, pourtant les pays se sont bousculés pour accueillir l'événement. L'Angleterre a envoyé sa légende du foot et un futur roi pour conclure l'affaire, mais en vain. Des pays hôtes, des années avant la compétition, ont eu des problèmes. Le Qatar, par exemple. Mais avec Pelé comme porte-parole du Brésil, il est sûr que cette édition restera dans les annales. Ça a surpris tout le monde. Ce qui est arrivé au Brésil, parce que c'est un problème politique. Tout à l'heure, je vous ai dit comme le football allait contribuer à la promotion du Brésil. Quand il y a un événement comme la Coupe du Monde, la Coupe de la Confédération ou les Jeux Olympiques, tout le monde devrait travailler ensemble. C'est un problème politique. On a les ressources, aucun doute là-dessus. La Coupe du Monde sera belle. 2014 a été une année importante. Elle débute par une nomination convoitée. Cristiano concourt pour le prix Laureus du sportif de l'année. Les prix Laureus sont des références dans le domaine du sport. Et chaque année, tous les nominés ont atteint un très haut niveau. Les athlètes qui ont remporté ce prix ont toujours été très reconnaissants envers l'académie et les sportifs qui la composent d'avoir reconnu leur performance.
il félicite les grands athlètes, hommes et femmes de l'an passé. De tous, c'est peut-être le prix sportif le plus prestigieux. Il l'aura! J'en suis pas sûr, mais je pense qu'il l'aura. Messi a déjà été convié deux ou trois fois, je crois. L'an passé, Ronaldo a été sensationnel. Je suis très fier d'avoir été nominé pour ce prix prestigieux décerné à tous les sports. Athlétisme, Formule 1. Pour moi, c'est fantastique. Il me semble que c'est ma première ou ma seconde nomination pour le prix Laureus. C'est un grand plaisir. Sponsorisé par Mercedes-Benz et IWC Schaffhausen, c'est aussi une organisation humanitaire qui a eu comme parrain Nelson Mandela. C'est très fort. Nelson Mandela est un homme qui restera à jamais dans nos cœurs. J'ai eu la chance de le rencontrer chez lui. Il avait une famille nombreuse. Plein de gens étaient présents. Dans ses neveux... Neveux est le bon mot ? Ses neveux et toute la famille étaient là. Un moment incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir lui parler un moment. Il était un peu malade. Mais nous avons eu une petite discussion. Fantastique. Un jour très particulier pour moi. Un footballeur n'a jamais gagné le prix du sportif de l'année. Mais Bobby Charlton a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière en 2012. Charlton a été un des plus célèbres Anglais de son époque. Il a survécu au crash de l'avion qui a causé la mort de 23 des membres de son équipe de Manchester United. Elle n'a pas pu venir me voir à cause de la distance. Je vais bien. J'aurais pu connaître le sort de certains équipiers. Charlton est devenu le visage du club qui a dû se reconstruire. Il a mené l'Angleterre à la victoire en Coupe du Monde en 1966 et il a remporté la Coupe d'Europe avec Manchester United en 1968. Il est le directeur sportif des Red Devils depuis 1984 et c'est un ambassadeur respecté de son club et aussi du football. Légende lui aussi, Ronaldo a mérité sa nomination au prix Laureus. 69 buts inscrits en 2013, il a envoyé le Portugal en Coupe du Monde grâce à un but inscrit au dernier moment. Et il a enfin fait mieux que Messi en remportant le Ballon d'Or. Tous ces prix récompensent les grands footballeurs. Mais on a tendance à oublier la raison pour laquelle ils commencent à jouer au football. Au départ, ce sont tous des enfants qui, dans un parc ou sur un terrain, tapent dans un ballon par plaisir. Plus tard, être payé pour ça, c'est la plus belle chose du monde. Au final, c'est le pilote Sébastien Vettel qui remporte le trophée Laureus. Mais Ronaldo a été bien entouré. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier que son impact sur son sport est immense. Il crée le buzz. Qu'on applaudisse ses buts ou qu'on le maudisse, il provoque une réaction. C'est l'un des visages du jeu, et ce visage sera de nouveau scruté sous tous les angles au Brésil où les artistes du ballon rond s'affronteront devant 700 millions de spectateurs. Les questions auront des réponses et la pression sera rien moins qu'écrasante. Lors de la Coupe du Monde, il peut arriver n'importe quoi. Je fais partie de l'équipe depuis 2 ans. Je suis déjà sélectionné pour la Coupe du Monde. Jouer cette compétition est un honneur. Les joueurs prennent très au sérieux cet événement. Jouer pour son pays, c'est plus de pression que de jouer pour son club. Pour la simple raison que vous ne jouez pas seulement pour un groupe de supporters, mais aussi pour tout un pays. D'où la pression exercée sur vous. Et il y a aussi celle d'arriver à faire comprendre aux gens que vous méritez votre place, peut-être davantage que leur joueur favori. Tout le monde a un avis. On est emballé. On mérite de gagner. Avec le recul, on saura si leur œuvre fut ou non éblouissante.
Quelques mois auparavant, voici Ronaldo à l'entraînement avec ses équipiers du Real Madrid. Sa prestation lors de la Coupe du Monde 2014 n'est pas d'actualité. Il vient de gagner la Ligue des Champions et l'attaquant portugais est porteur d'espoir, avec 17 buts marqués dans ce tournoi, sans compter les passes décisives. Et Cristiano remet ça. Une soirée incroyable. Remporté 10 fois la compétition. Ici au Portugal, avec ce public magnifique. On attendait ça depuis très longtemps. Chaque année, je donne le maximum. Je marque et j'aide mon équipe. Ça lui a valu des coups qui ont aggravé une blessure chronique qu'il va traîner jusqu'au Brésil. Son arrivée est synonyme de joie et de spéculation. Il a un bel état d'esprit. Applique-toi autant qu'à te coiffer et tu marqueras, c'est sûr. Fais comme moi contre les USA. Mais lors des séances auxquelles assiste la presse, l'ambiance a changé. On veut gagner. On peut gagner, même si ce sera difficile. On est en forme. Il joue brillamment lors de la phase qualificative. Mais il est méconnaissable contre l'Allemagne lors du premier match. L'expression sur son visage est éloquente. Avec une défaite 4-0 et un carton rouge pour Pepe, les espoirs de victoire du Portugal se sont envolés. Évidemment, c'est difficile à accepter. Mais il y a un langage corporel trop souvent qui pousse l'arbitre à cette décision et qui a obligé l'équipe à jouer avec 10 joueurs pendant une longue période. Ce qui a constitué bien sûr un gros handicap. Ronaldo fait une passe décisive dans le match contre les USA. Mais le coup près tombe. Les USA et l'Allemagne vont en 8e de finale et Ronaldo rentre en Europe. Au sein du Real, en meilleure forme, le vrai Ronaldo est de retour. Il marque les deux buts dans le match de l'UEFA contre Séville. C'est fabuleux, une soirée fantastique. On a remporté un trophée très important. On a merveilleusement bien joué. J'ai inscrit 2 buts. Ce qui compte beaucoup pour moi. Ça va me donner de la confiance pour la saison. Je me sens bien, je suis content. On a le trophée, c'est très bien. Un beau résultat, mais hélas, sa blessure se réveille. Pour beaucoup, cette légende du foot doit faire une pause. Si cette blessure persiste, la carrière de Ronaldo pourrait connaître une fin prématurée. D'autres équipes ont des vues sur Ronaldo. Beckham construit un élan pour le football aux États-Unis. On ne veut pas de financement public. On financera le stade nous-mêmes. On bâtira un stade, on créera une équipe et un club de football qui sera à tous, tout simplement. J'ai travaillé pour les plus grands clubs, avec les plus grands joueurs au monde. C'est vraiment un rêve, vous savez. Si on m'avait dit quand j'avais 11 ans, tu vas jouer pour Manchester United, tu représenteras l'Angleterre, tu joueras pour le Real Madrid, l'AC Milan, le Galaxy, puis tu seras président. Je ne l'aurais pas cru. Ronaldo pourrait bien un jour lui aussi traverser l'Atlantique. Les filles vous aiment, parce que je joue bien au football. Allez-vous rejoindre le Galaxy ? Vous savez, Beckham a joué dans ce club. J'ai discuté plusieurs fois avec lui. Peut-être un jour, on ne peut jamais savoir. C'est un grand joueur et un homme bien. C'est l'un des meilleurs. Voire le plus grand joueur au monde. Le regarder évoluer sur un terrain, c'est du bonheur pour nombre de fans du Real Madrid. Mais ces temps-ci, notre footballeur rêve moins de nouveaux terrains et plus des plateaux d'Hollywood. Mais il garde du temps pour les œuvres de charité. Même un seau d'eau glacée n'est pas de nature à le faire fuir. Ronaldo a accepté le Ice Bucket Challenge et apporter son soutien à l'association ALS pour récolter de quoi financer cette juste cause.
Il suit l'exemple de grands noms, tels le réalisateur Steven Spielberg, David Beckham ou Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue. Le défi est de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête pour attirer l'attention sur cette noble cause. Aux États-Unis, on l'appelle maladie de Lou Gehrig. En France, c'est la maladie de Charcot. Mais les symptômes sont les mêmes. Et les effets sont dramatiques pour les malades et leurs familles. Ces deux dernières semaines. Vous avez appris le malheur qui me frappe. Cependant, aujourd'hui, je considère que je suis l'homme le plus chanceux du monde. C'est capital. Les célébrités comme Ronaldo médiatisent cette maladie. Et avec le financement adéquat pour la recherche, on trouvera un remède. Indépendamment de ce que lui réserve l'avenir, Ronaldo a marqué l'histoire. Peut-être le meilleur joueur du monde. Je trouve ça fantastique. J'ai gagné tous les prix individuels. Ce trophée est une récompense collective. Je suis très heureux. Sur le terrain, le tapis rouge ou en couverture de magazine, une chose est sûre. Ronaldo est là pour un moment et il est clair qu'il a le monde à ses pieds. Emre Can for Cristiano Ronaldo! This is the day that he has caught fire. Ronaldo, il controllo di Ronaldo, arriva a sostegno Matuidi, Ronaldo si accentra, prova il destro a giro, rete, Cristiano Ronaldo. Ronaldo had made the run. Cristiano Ronaldo. Him again. 1-0. Pjanic to curl in. Ronaldo might get there. Dybala with the corner. Oh, and headed off the post and in. Cristiano Ronaldo breaks his duck. Cancelo and Ronaldo! His moment, their moment. The president celebrates up in the stands. Matuidi in the midfield. Ronaldo looks up, sees the goal, and fires for the goal. That is top draw from Cristiano Ronaldo. The goal machine is in perfect working order. Juve needed something special. And they've got Ronaldo. Just of not interfering with play. Ronaldo! There's his goal. Here's an opportunity. Is it just threatened to open up? Ronaldo!
Well, it's taken them 81 minutes, but finally the champions have a way through. Frustrated by Frosinone, and it's taken a late strike from Cristiano Ronaldo. I found a love for